Alors, les enfants, ils sont en train de s'amuser ici. Alors, on va manger. Voilà, le Mékong, le fameux delta du Mékong. Donc là, comme je vous disais, on est à Kanto. 300 000 personnes qui vivent ici sont d'origine cambodgienne. Alors, en fait, on a demandé un repas avec du poisson et des fruits de mer. Donc ici, on a des nems avec des légumes. C'est délicieux. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette sauce. Et bien sûr, sans alcool aussi. On a demandé sans alcool. Et délicieux. Vraiment trop, trop bon. Donc là, on a ici nos fruits de mer et du poisson en train de cuire avec une sauce à base d'ananas et d'autres choses. Ça sent divinement bon. Ok, première visite à Kanto, on va visiter le marché de Kaike, c'est un marché alimentaire. Donc ici arrivent tous les produits des marchés flottants, donc des fruits, des légumes. Vous avez aussi du poisson, des serpents, donc on va faire un tour là-bas. C'est parti. On fait du vélo dans un dédale de rue, franchement on se perd, c'est vraiment sympa parce que du coup on tombe sur la vraie vie. Alors ici il y a des coqs et ils ont peint les pattes en rouge, je sais pas pourquoi. On fait un combat. Tu penses que c'est un combat de quoi? Oui, papa m'a dit. Ok. Bon, allez c'est parti. Là on est vraiment dans le Vietnam authentique, le vrai marché, je vous montre à quoi ça ressemble. On aura découvert la ville de Kanto à vélo. Alors regardez, il y a les pêcheurs qui continuent à pêcher la nuit. Je ne sais pas si vous voyez la petite lumière. Et on a l'hôtel qui est juste là. En fait, on a trouvé une super route. Je ne sais pas, en partant de l'hôtel, on a fait un détour. On est passé, il y a vraiment beaucoup de circulation. Alors qu'en fait, il y avait un passage avec une petite promenade le long du Mékong juste devant. Mais bon, voilà, on l'a pris du coup pour le retour. Et l'hôtel, vous voyez, le V qui est là, il est juste là. Oui, il fait noir. On y va. On va rentrer, on va se doucher et demain on va se réveiller super tôt pour aller voir Inch'Allah, oui 4h, 4h30, oui. La personne vient nous chercher pour aller voir le marché flottant et visiter les alentours. C'est dingue, hein, il pêche avec une lampe torche dans le noir. Hi, good morning. Ok, donc c'est parti, aujourd'hui on va faire une visite. Ok, what's the plan for today? It's 4:30, right? The first thing I would like to say hello everyone. Her plan today, now she's going to morning early to get up on the private boat to see the Kai Rang floating market, okay. Phong Dinh floating market, then she stop at the fruit garden, beautiful fruit garden in the nature. Then she go to small canal, and then she stop at cacao farm, and then she go back to the hotel. Okay, perfect. So around 6 hours, right? Right, about okay, 6 hours. Let's go. Oui? Thank you. Why not? Thank you.
exactement... Il est quelle heure? Il est 7h du matin. Il est 7h30 du matin. Donc ce matin, on s'est rendu dans deux marchés. C'est assez loin hein, quand même. Donc là, on va se balader un peu dans les canaux. On va aller visiter une ferme de cacao, une ferme de nouilles et quoi d'autre? Un jardin fruitier. C'est sympa, mais franchement, en fait, ce qui est étonnant, c'est que donc durant la balade, vous voyez les habitations, vous voyez les gens et vous vous rendez compte à quel point ils dépendent du Mékong en fait. Ils lavent leur vaisselle, ils lavent les vêtements, voilà, ils pêchent, etc. Et d'un autre côté, c'est une poubelle en fait, franchement. J'ai jamais vu autant de bouteilles, de plastique, de... tout et n'importe quoi. Vous voyez les gens ouvrir leurs fenêtres et jeter par la fenêtre. Est-ce qu'on peut? Non. Ok. Et donc voilà. Voilà. En tout cas, c'est pas du tout une image que j'avais du Mékong. Dans tous les blogs que j'avais vus, c'était waouh, c'est magnifique, c'est clair. Mais franchement, ce qui est aussi choquant, je vous montrerai quelques images, hein, c'est la quantité de d'ordures, de plastique, de... voilà, de bidon autour. Alors, vas-y, goûte. J'ai goûté un lait au chocolat super bon. Waouh. Donc tu vas les ramener au Vietnam, tu dis? Oui. Mariam, elle dit quand j'aurai des enfants, je les ramènerai au Vietnam pour leur dire que j'ai goûté un superbe chocolat et franchement, il est délicieux. Et donc là, on est en train ici. De visiter. Pour les ramener ici? Oui. On est ici dans une ferme de cacao et on va, le monsieur va nous expliquer le processus, etc. Donc là, en introduction, on a eu droit à... enfin non, on payait hein. à un verre, vous voyez, et il va nous expliquer tout ça. Donc on attend notre tour puisqu'il y a deux groupes devant nous. Voilà. Il est délicieux, délicieux. Et il nous a déposé ça, du vin de chocolat. Vas-y, désolé, on ne voit pas. De Arbe Stel. My name is Mui Kung. But you can call me Bean, Mr. Bean. Mr. Bean. Mr. Bean, yes. Kaka Bean. I'm very old, 72 years old. 72, very old Vietnamese. And in 1960, my father, he went to Malaysia. Malaysia, yes. And he took some fruit. Malaysia. And he took some fruit, like it, bring back here. Wow. He grow the coconut tree. After 3 years, he got many fruit, like it. And he told me, you try to make a chocolate. Mm. You know, 1960 in Vietnam, nobody know about chocolate. So I have to read a book, French book, Le Cacao Year, Francais. You know, when I was a little child, like this, I have gone to elementary school with a French education. You know, a long time ago, many French in Vietnam. Yes, yeah. Of 30 to 40 beans in one foot. Yeah. 30 to 40. I open it. I take the juice. Off. Yeah. I put in here 20 kilos. Ok, on va faire un tour dans le jardin du monsieur, dans sa ferme biologique, pour voir les cacaotiers.